The Legend of the Phoenix. Hello les gens, on fait une petite vidéo encore une fois sur, sur deux petits liquides en fait en me baladant là pendant mes vacances en Vendée. Je suis tombé sur un petit shop d'ailleurs, un petit shop super cool. Pour ceux qui ont la chance d'être en vacances ou de partir en vacances en Vendée au Sable d'Olonne ou pas très loin des Sables d'Olonne, si vous voulez aller rendre une petite visite à ce petit shop là, franchement le boss de la boutique, super sympa, il connaît quand même. Hein. Je l'ai d'ailleurs félicité parce que sur le nombre de boutiques physiques où j'ai été et sur le nombre de, il faut le dire, de corneaux qui vendent de la cigarette électronique, là voilà, cette personne, le boss là, il connaît quand même, il connaît ce qu'il vend déjà, c'est déjà quelque chose déjà pas mal, il connaît déjà son liquide, il connaît aussi ses cigarettes électroniques, parce qu'il vend quelques cigarettes électroniques, il vend quelques clairaux aussi, mais voilà, déjà il connaît très bien son liquide, d'ailleurs il est vapoteur lui aussi, hein, ex-fumeur de tueuse. Il vapote, voilà, il sait de quoi il cause. Donc les petits liquides, voilà, c'est Magic Elixir. Alors il y a déjà eu des reviews de fait là-dessus, hein, notamment une revue du Vapologue. Mais voilà, il me semble que j'ai des parfums que lui il a pas. Alors j'ai pas la prétention de faire des vidéos aussi belles que les siennes, mais voilà, hein. Donc le Magic Elixir, alors celui-ci, bah pour tout ce qu'il y a de marqué sur le flacon, c'est super correct, hein. Voilà, on a bien les petits pictogrammes, on a les ingrédients, propylène glycol, glycérine végétale, arôme. Mais par contre, sur le devant, on a bien le pourcentage de nicotine, là, je suis en 11 mg, PGVG 80-20, voilà, à consommer de préférence avant fin 04-2015, bon, ça va, j'ai le temps. Et puis la petite, les petites inscriptions qui vont bien, réservées aux personnes de plus de 18 ans, ne pas avaler, blablabla, blablabla, déconseillé, hein, femme enceinte, tenir hors de la portée des enfants. Petit flacon en verre, ambré un peu, sympa la tronche, c'est du sérieux, c'est en verre, c'est cool. Tenir hors de la portée des enfants, j'insiste sur le truc, c'est que, ouais, voilà, on n'a pas de sécurité enfant sur le bouchon, donc voilà, ce machin là il faut absolument le mettre là-haut sur l'étagère, qu'il n'y ait pas un gamin qui le chope sur la table du salon ou une bêtise comme ça. Voilà, peut-être ça, voilà, c'est peut-être un petit peu bête, il n'y a pas la sécurité enfant. Maintenant tous les flacons avec les produits dangereux qu'on a de partout n'ont pas tous non plus la sécurité enfant, mais voilà, mais quand même, pas de sécurité enfant, on a une pipette qu'on goûte. Alors la pipette, à la façon à l'eau, un petit peu, un liquide à l'eau, mais je vais vous faire voir, parce que le bout de la pipette, quand même, il est assez phénoménal. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près. Voilà, vous avez vu, ça fait une goutte, en fait. Ça fait une goutte, et bah, en fait... on peut faire du goutte à goutte quelque chose de super sympa. L'odeur. Alors, le parfum, là, c'est Mojito Pomme. On est dans une petite boisson de saison. C'est encore l'été. Ouais, ça me paraît pas mal.
je vais le goûter avec vous, je vais le découvrir avec vous, sur un RDA monté sur un cassan. J'ai une résistance à 1 ohm. On va voir tout de suite ce que ça donne l'affaire. Hein? Alors, allons-y. Allez, 1, 2, 1, 2, quand même un peu plus. 3, 4, 5. Allez, 5 gouttes. Ah ah, ah. Alors oui, magique élixir, faut le dire quand même, il faut le dire, je le redis, cocorico, liquide français, tout est marqué en français, on peut tout lire. Ils ont un site, je vous mettrai les liens en description, je vous mettrai le lien, ils ont un site de Feu de Dieu, ils ont d'ailleurs une méthode. Je ne peux pas appeler ça une méthode. Ils ont une façon en fait, de faire les liquides. Vous pouvez vous faire les liquides. Ils font des petits kits super géniaux. Mais il faudra aller voir sur le site. Je ne vais pas vous dépouiller tout le site. On ne va pas faire une revue de 15 minutes. De 15 minutes, de 45 minutes. 15 minutes, si, peut-être quand même. Il ne faut pas déconner. Donc voilà, bah on y va. Donc vous verrez, ouais. Le site magique. Élixir, c'est du feu de Dieu. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je suis surpris. Mojito pomme, on sent la pomme. Bien évidemment qu'on sent le mojito, puisque mojito. Mais la pomme est là. C'est vachement frais. Ah, je vous dis que là, on a le juice de l'été. Ah, franchement. C'est pas un dry hit, hein, je précise, c'est pas un dry hit. C'est que le truc, il y a un hit là-dessus. Je suis en 11 mg de Nico. J'ai l'impression de vaper un liquide en 18. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? J'avais gardé même les lunettes de soleil, moi. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai l'impression de vaper du 18 mg. Tellement le hit, il est... C'est de la balle. C'est de la balle. Chez Elixir, le Mojito Pomme. Et là, je peux vous dire que faites-vous plaisir. Mais vous pouvez y aller. Hein. Je prends aucun risque à vous dire ça. Même si les goûts et les couleurs peuvent changer par rapport aux personnes. Là, vous avez un truc. Et franchement, je me répète, le Mojito Pomme de chez Magic Elixir. Allez-y, vous savez quoi? J'ai même un deuxième liquide. Et ben, le temps d'aller nettoyer, de finir de vaper mon RDA tranquille, de bien le nettoyer, à la limite, je vais me refaire une résistance et j'aurai un deuxième liquide à vous faire partager de Magic Elixir parce que. Vu que le premier, c'est nickel, je vais me taper le deuxième tout de suite derrière. Le temps que j'aille nettoyer tout ça, et puis on se retrouve, et on parle du deuxième liquide de chez Magic Elixir. A tout de suite les gens, à tout de suite. Et bien me revoilà avec mon deuxième liquide Magic Elixir. Alors celui-ci, cerise noire.
Bah, toujours le même, hein, toujours le même, toujours le même contenant. Descriptif du liquide. Alors celui-là, il est toujours aussi en 11 mg. Par contre, petite particularité, celui-ci, il est en 100% PG. Voilà. 100% PG, donc ouais. Je pense que du 11 mg en 100% PG, je pense que le hit devrait être là. Donc, j'ai donc nettoyé mon RDA, je me suis refait une petite résistance, on lui met un petit peu de joist dessus, histoire de l'amorcer. Voilà. Ouais. Ça va. Hop. On se colle ça là-dessus. Alors celui-là, je vous dis clairement, je l'avais goûté au shop. Hein, parce que le petit shop là, le petit shop des Sables d'Olonne, vous rentrez dans son petit truc là, il a un tas de parfums à vous faire goûter. Il vous met ça sur une batterie style Ego. Le petit Clairo qui va bien, le petit capuchon à chaque utilisation, enfin le truc carré, nickel. Donc, la cerise noire, je l'avais donc goûtée au shop. Et il était assez surprenant ce produit, ce petit liquide. Et donc j'ai décidé d'y en prendre 15 millilitres. Parce que oui, j'ai pas parlé des flacons. Les flacons font 15 millilitres. Les 15 millilitres, 11 euros. Bah, c'est tout à fait correct. Pour moi, c'est correct. 15 millilitres, 11 euros. Moi, ça me plaît. Du liquide français, en plus. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc, oui, la cerise noire. Alors, j'en ai discuté un petit peu avec le boss du shop, là. Et effectivement. Il me dit, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un parfum de la colle Cléopâtre? Je ne sais pas si vous savez, vous, mais moi, quand j'étais sur les bancs de l'école primaire, on avait la colle Cléopâtre, là, les petites colles blanches, là, avec la spatule, là, qu'on enlevait, la spatule qui était accrochée au capuchon, enfin, on s'en fout de tout ça, et qu'on mangeait. Hein? Parce que j'en ai mangé. Et ça, eh ben c'est exactement le même parfum. C'est exactement le même goût. C'est marrant. C'est marrant. Alors, je sais pas si. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais. Et surtout si vous vous rappelez. Je vous ai dit qu'on était en 100%. PG. 100% PG. Je remets quelques gouttes. Une. À chaque fois, c'est pas possible ça. Deux, trois, quatre, cinq. Mais 5 gouttes. 100% PG. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai une vapeur pour du 100% PG qui est somme toute honorable. Compte, je suis surpris moi. Alors le goût, la saveur, on a effectivement ce petit goût de cerise. Alors cerise noire, je sais pas parce que cerise noire, ça me dit pas grand-chose. Cerise noire, on a un goût de cerise, genre liqueur de cerise. On est pareil sur du liquide de saison, on est en été. Bon, aujourd'hui, on ne croirait pas en été, il n'y a pas trop de soleil. Bon, on est en été, on est sur quelque chose de frais. La cerise,
C'est un fruit de saison, hein, plus sur le mois de juillet que sur le mois d'août, mais quand même. Très bonne saveur. Enfin, moi, il me plaît bien. Ça n'engage que moi. Le litre. Non, le hit. Le hit, toujours pareil. Je suis vraiment surpris. Agréablement surpris parce que je descends mon taux de Nico. Là, je suis sur du 11 mg. Et je vous dis honnêtement, moi qui ai l'habitude de fumer, de vapoter sur du. Je vape depuis 3 mois sur du 18 mg. Là, je suis simplement en train de redescendre mon taux de nicotine et je suis sur du 12-16, plus sur du 12. Mais je sens franchement que le hit a diminué. Là, sur le 11 mg, j'ai un hit. Franchement, ça envoie. Bah, j'ai bien fait de m'arrêter dans cette petite boutique, hein. Ah, franchement, je crois que Magic Elixir, là, je pense que je vais pas m'arrêter à ces deux liquides. Je vous le dis honnêtement. C'est une tuerie. J'ai que ça à dire. C'est une tuerie. Donc voilà. Magique élixir. Magique élixir. Moi, je peux vous dire qu'une seule chose. Si vous voulez un bon petit Joyce frais, pas trop chargé, qui nous charge pas la langue, qui est léger, qui est super agréable à vaper, qui a du hit. Là, je suis toujours surpris sur ce 100% PG. Hein. Franchement, le niveau de vapeur. Enfin, bref. Donc, si jamais vous passez par les Sables d'Olonne et que vous voulez bah, vous faire plaisir avec un petit liquide, n'hésitez pas. Hein. Passez sur le port de pêche. Il y a un petit bouclard. Je vous dis, le boss, il est super cool, super sympa. Il prend le temps de vous expliquer, de discuter avec vous, machin. Pas de problème. Bah, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, moi? Rien, rien. Je vais vous mettre quelques liens, comme je l'ai dit, en descriptif. Et puis voilà. Donc, Cocorico, bravo. Super liquide. C'est de la balle. Sur ce, mes amis, bonne fin de journée à vous, ou bonne soirée, ou bonne nuit. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis, à bientôt. Ciao les gens!